Jean-Philippe Auteuil. Je veux te présenter. Félicitations pour ton émission. Ben, merci. T'es bien fin. Aïe, pas de quoi. Sérieux, je l'ai dit juste en partant parce que sérieusement, là. Oui. Il y a du monde qui disent que les jeunes dans nos jours, là, oui, sont full de neurasthéniques et tout. Mais tu sais, dans le fond, là, c'est pas vrai, là. Je pense que vous allez tout être d'accord avec moi que pas tous les jeunes qui sont pareils. Non. T'sais, vous allez être d'accord, il y a des jeunes qui sont vraiment watch a move, là. Oui, puis des comme toi, on n'en a pas vu beaucoup. Et puis on va apprendre à te connaître, mon beau Jean-Philippe, parce qu'aujourd'hui, hein, aujourd'hui, sa future épouse, tu la remercies parce que tu veux la marier, hein? Oui. Hein, ta future épouse, parce que grâce à elle, t'as fait plein de changements. Qu'est-ce que t'as changé? Ah, j'ai fait plein de changements, tu sais. Raconte-moi. Comme par exemple, là, t'sais, comme moi au début, là, OK, moi, je mangeais n'importe quoi, tu sais, je mangeais là, genre de la viande, de n'importe quoi, puis tout. Mais à mon année, là, elle m'a dit, écoute, le gros, là, OK, il va falloir que tu commences à manger bio. Parce que là, tu devenais un peu bedonné. Ben oui, man, ben, tu sais, à cette heure, là, tu sais, je suis genre, j'ai un beau teint, puis tout, là, oui, tout le monde l'a dit, là, oui, c'est pas moi qui l'invente. Non, non, on le voit, là, t'es vraiment. Fait que là, t'es beau, sérieusement, bonhomme. Là. Oui. Là, tu sais, ça, tu sais, genre, moi, je m'en. Puis là, tu sais, quand elle m'a dit, il faudrait que peut-être que tu manges bio parce que, tu sais, c'est meilleur pour la nature. Meilleur pour toi et meilleur pour tout, là, tu sais, le monde. Moi, j'ai dit, tu sais, écoute, là, McDo, là, c'est super bon, là. Puis c'est pas bio, là, gros, là. Fait que là, tu sais, c'est comme, tu sais, mettons, tu mets le. Tu sais, mais là, elle m'a dit, tu sais, c'est pas juste du push-push quand tu mets sur tes légumes, puis tout, là. Oui, gros, oui, pour là, laver les bactéries, là. Ben, c'est ça. Oui. Tu sais, là, c'est ça, mais là, c'est ça. C'est pas du flaveur, là, comme le monde pense. Ce que c'est, là, ça s'appelle des pastines. Oui, oui. Des pastines. Mais attends, ça, là, attends. Après ça, mais moi, tu sais, j'ai dit, moi, tu sais, je trouve ça bon pareil. Oui. Mais elle a dit, là, c'est bien plus grave que ça, parce que ça s'en va dans l'air après. Puis s'il y a quelque chose que toutes nous autres ont fait, là, les 7 millions d'habitants, oui, sérieux, le gros, là, ce qu'on attends, fait, attends, là, attends, c'est qu'on respire. Attends, 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 un petit peu, là. Yeah. Et puis là, t'es devenu justement conscient de l'environnement, en plus. Elle t'a vraiment réveillé sur une prise de conscience. Comment ça se fait que c'est par elle que t'as pu écouter ça, là, que t'as pu répondre à ça? Ah, c'est ça, c'est... Assieds-toi donc, chérie. Les yeux du cœur. Les yeux du cœur. Bon, donc t'étais en amour avec elle. Hein? Pour elle. C'est pour elle que tu fais ça, c'est-tu ça? Oui, c'est ça, c'est ça. C'est parce que moi, je pensais encore à mon enfant des pesticides. Non, non, mais vas-y, si t'as pas fini ton idée, vas-y. C'est ça, parce que moi, l'affaire... Il y a un A dans mon affaire. Parce que moi, l'affaire, les pesticides, oui, tu sais, ce que ça fait, c'est qu'après ça, ça s'en va dans l'environnement, OK? Oui. Puis après ça, ça, là, tu le respires, là, puis on a remarqué là, que ceux qui respirent, parce que les 7 millions de monde qui respirent les pesticides, parce qu'on mange tout, OK, pas bio, fait que ça fait, là, que... Il y a des recrudescences de cancer. De cancer de colon, de cancer de foie, de cancer de leucémie. Oui, oui, à cause de ça, les pesticides. Est-ce que... Puis aussi, une autre affaire, ça me revient pas, là, ça va me revenir. Là. Ah oui, ça. Coudon, t'entends-tu des voix? La Parkinson. Il entend ah, les voix. Parce que ma blonde est tellement dans ma tête, on dirait qu'elle me parle plus que là, je pense qu'elle t'a... Tu as un certain effet calmant sur toi. Parce que c'est sûr. Non, parce qu'on aurait dû l'inviter, ça n'a pas de bon sens. Elle a un effet calmant sur toi. Oui, tu sais, je suis rapide, mais c'est parce que moi, je mange bio et j'ai pas de pestine. Yo, est-ce que ta blonde... Dans ta vie à toi, là... Dans ta vie à toi, est-ce que ta blonde a un effet calmant yo sur toi? Hein? Yo, lui. Yo, yo. Ça veut dire quoi, ça? Yo. 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 Est-ce que ta blonde yo a un effet yo calmant yo sur toi? Oui. Non, mais là, oui, ouais, elle a un effet calmant, mais bon, tu sais, parce que moi, je mange bio. On va l'appeler. Appelle-nous, s'il te plaît. Comment elle s'appelle? Pestine, là. Appelle-nous, là. Comment t'sais, ça s'appelle? Tu sais, il y a du monde qui sont pas vite. Oui. Ben, ça, là, c'est aussi parce qu'ils ont trop de pestine. Moi, là, tu sais, je suis dedans, puis tout, c'est parce que je mange bio. Oui, regarde, on va arrêter ça, la pesticide, puis manger bio, là, parce que là, on en a assez parlé. Moi, là, ce que je voudrais faire, là, je voudrais parler de ton histoire d'amour, comment t'as pu, avec elle, à ce point-là, te transformer, puis essayer de devenir une meilleure personne. Et puis, on comprend, là, ton engagement pour la nourriture bio, on comprend ton engagement pour l'environnement. Mais vas-y dans ton cœur, là. Mon cœur? Oui. Comment tu étais avant que ta blonde te mette au défi de changer les choses dans ta vie? Es-tu correct? Ouais, parce que c'est ça, moi, c'est parce qu'avant, là, je me suis vraiment écouté. OK. Avant, là, moi, j'étais comme tout le monde. Tu sais, là, je pensais juste à moi. Je pensais, tu sais, je voulais avoir mon gazon, ma tondeuse, ma souffleuse, ma piscine, ma pelouse, là, gros, même. Oui. Tout ça, OK? Toi, c'est là, ça que moi, je voulais. Tu voulais arriver dans la vie. Comme tout le monde, je pensais juste à moi, j'avais mon char et tout. T'sais. OK. Mais, tu sais, à un moment donné, elle, qu'est-ce qu'elle m'a fait comprendre, là, c'est que tu sais, tu peux pas sauver le monde toi-même. Non. Sauver le monde, là,
ça va prendre au moins une heure, mettons, peut-être même plus. Oui. Mais tu sais, c'est pas parce que tu peux pas tout changer que tu peux rien faire. Non, mais c'est ça. Puis moi, elle m'a donné la voix de faire quelque chose. Donc, c'est ça que toi, t'as changé, là, et c'est grâce à sa force à elle. Puis là, tu dis aujourd'hui que tu voudrais la marier. Oh oui, c'est ça. Pourquoi? Elle veut me marier, puis tout. Pourquoi? Pourquoi c'est un engagement? Ah, c'est un engagement parce que, tu sais, je sais qu'il n'y aura jamais d'autre fille qui va faire autant d'affaires pour moi. Okay. Parce que, tu sais, moi, j'ai tellement changé pour elle, puis, tu sais, je suis devenu moi-même. OK. En la connaissant, puis tout. Oui. Fait que... Ça fait combien de temps que tu la connais? Ça fait 5 ans. 5 ans. C'est-tu ta première blonde importante? Ben non, j'en ai eu comme... Je peux même plus les compter. Ah oui, t'en avais beaucoup. Mais tu sais, je veux pas trop parler de ça. Non, non, on parle pas. On parle du présent, là. Il y en avait, là, sérieux, des solides, là. Des solides. Il y avait des drettes, là. OK. Mais là, toi, là, aujourd'hui, tu t'es retourné à tes études? Tu veux retourner à tes études? Oh, oui. Oui? En quoi? En environnement? Ben, ça pourrait être une... Ouais, ça pourrait être une idée. Oui. Qu'est-ce que tu serais prêt à changer encore pour elle? Tout. Qu'est-ce qu'elle a vu? Qu'est-ce qu'elle a vu? Qu'est-ce qu'elle... Un affaire, je vais te donner un exemple. Moi, je voulais avoir un air climatiseur chez nous, oui, dans mon appartement, parce que moi, j'aime ça quand, tu sais, c'est frais l'air. Tu sais, on est des gars, on sait ce que c'est, tu sais. Fait que là... Fait que c'est là, vrai, oui, oui, tu sais. Et l'air climatisé. Elle m'a dit, ben, à la place de ça, on pourrait peut-être mettre des arbres, tu sais, dessus. Fait que là, les arbres, là, tu sais, des lières, là, ce que ça fait, là, c'est que ça coupe les rayons de soleil. Puis oui, ça, là, ça régulate la température intérieure de ton appartement. Puis en plus de ça, là, ça fait d'autres affaires. C'est que ça fait... Attends, ça va me revenir, là. Ah oui, c'est ça, tu sais. Ça aspire le CO2 dans ton air, que tu respires dans la ville, parce que, on sait tout, dans la ville, il y a trop de CO2. Oui. Mais moi, l'air que je respire, c'est 78 % d'azote, 21 % d'oxygène, puis 0,3 % de gaz carbonique, le gros. Pas plus, là. Pas plus. Fait que c'est ça que ça fait d'avoir des arbres sur ton toit, dans ton appartement, puis tout. Ça aspire le CO2. Tout. Ben, tu sais, moi, j'ai dit, OK, mais moi, des arbres, je trouve ça laid. Je trouve pas ça beau. Tu sais, mettons, j'aime mieux mon arbre, mon sapin de Noël. Fait que elle, bon, a dit, écoute, elle a dit, mais attends, faut juste finir ça. Oui, oui, on va le finir parce qu'on est à la pause. Écoute, que, là, mais moi, l'affaire que j'ai compris, là, ça, c'est elle qui me l'a dit. Là. Oui, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Il n'y a pas juste les apparences dans la vie. Ah bon. Regarde, ça, c'est tellement de belles phrases, là. On va se laisser là-dessus. Il n'y a pas juste les apparences dans la vie. Merci de ton témoignage. On se retrouve après au dernier bloc. Merci. Alors, après la pause, fini le party. C'est l'arrivée du bébé. Restez là. Yes.